Mais quand même, hein. Et chaque école a eu un grand sapin l'année dernière. Comment on peut embarquer? C'est pas un petit truc, hein. Comment ça a pu aller à la poubelle? Bon, bref, c'est résolu. J'espère qu'il n'y a personne, hein, parce que là, mois de décembre, moi, l'aiguillage va être vite fait. Hein. Moi, je ne mets pas de sapin, donc franchement, prise de tête pour un sapin. Quasiment toutes les écoles ont eu des sapins. Hein. Un, deux, trois. Bon, à part Kennedy, bizarrement. Peut-être qu'ils avaient eu l'année d'avant. Il y a Kennedy. Il y a Pasteur. Je l'ai. Et puis il y a Signoret. Bizarre. Oui, il y a Signoret. Bon, bref. Je suis debout. Je suis pas inspirée ces jours-ci. Bonjour. Lauriane, comment vas-tu? Mon Amazon Georgette, bien le bonjour. Bien le bonjour, bien le bonjour. On dit quoi? J'ai faim. Bon, vous en foutez, je sais. Vais chercher des glaçons, je reviens. Ah, j'ai le coca le matin. C'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Le budget là, budget fait l'année, budget, plan d'être retoqué. Bon, sapin résolu. Ah oui, c'est calme, hein. Oui, c'est trop calme. Je sens que là, je me suis dit, j'ai diminué mon nombre d'amis hier. J'ai diminué mon nombre d'amis hier. Je préfère avoir des amis pour de bonnes raisons. Bien ça. Bonjour Emmanuel. Comment... Emmanuel, nous sommes toujours amis. Ah, parce que hier là, elle met les pieds dans le plat. Donc, du coup, mon Dieu. Tous aux abris. Et Karine est de sortie. Mais vraiment, Emmanuel, nous sommes toujours amis. Tu es ici ce matin. Voilà, alors ceux-là qui ne voient jamais que si moi efface seulement les commentaires des sorciers. Je viens prendre les copies. J'attends ceux qui m'injuriaient hier. Vu comment elle brille. Moi aussi, j'attends le nombre de connectés maintenant. Au niveau de travail. Chaque morning comme ça, mon frère. Mon ordinateur va redémarrer. Hein, non, faut pas que nous soyons pressés. Je suis en réunion. Ok. Ah, le compteur, il bouge pas. Je crois que Facebook et moi ne sommes pas amis. Facebook, il y en a qui sont assis sur la page.
Mais je vous ai dit qu'ici, là, vous ne pouvez pas bloquer cette page. Il faut même pas vraiment 5 ans. Il y a les uns, il y a les autres ici dehors. Il y a les uns, il y a les autres. Avant, voilà, il y en avait qui, dès qu'ils n'étaient pas contents comme ça, ils avaient signalé les comptes. Parce que tu n'es pas content, tu vas signaler le compte. Bon, les gens sont calmes ce matin, grave. La vérité libère. Bonjour. Alors, les partages, les gars sont en mode résistance plus plus. Vous partagez pour moi. Et les caméras, moi, je regarde le chrono là maintenant. Un partage. Moi, je partage pas, vous savez ça. Chacun est censé être à son poste. Trop de chantage. C'est pour moi que vous partagez. Moi, il fait que jeter une bouteille à la mer. Même s'il faut qu'elle soit ramassée dans 5 siècles. Donc, vous n'êtes pas rendu compte que vous avez face à vous une grillée. Moi, j'ai plus peur de court-circuit. Je suis en exil. Je suis en exil. Il y avait un petit dossier ici. Donc, vous pensez vraiment que... Je vous dis souvent de... Je vous demande souvent de partager. Je vous dis souvent, si vous n'êtes pas sans, je ne lance pas. Bonjour, ma vie. Bonjour, Suzanne. Il faut apprendre à connaître ceux avec lesquels vous cheminez. Moi, cela. Est-ce que je suis arrivée sur la page si j'avais des abonnés? Il y a 105, il y a 105, 105, combien? 100 000. 5 abonnés, 100 000, 5 abonnés, c'est ça. 100 000, 5 abonnés ici. C'est parce que je pédale tous les jours, les gars. Donc, quand ça va cuire sur vous. J'ai une mauvaise mémoire. Hein. Je n'ai pas la mémoire des noms, hein. Mais il y en a qui vont passer à la trappe quand ça va cuire sur vous et que vous allez revenir ici. De ne pas confondre. Ah oui, 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 non. Avec K, c'est pas moi. Avec K, ce n'est pas moi. Il y en a qui pensent que c'est pour ceux qui font les directs qui luttent. Du tout, du tout. Non. Du tout. Et la lutte, ce n'est pas une histoire d'humeur. Même à moi-même, je m'adresse là parce que des fois, de temps en temps, ben, c'est humain, vous me direz, j'ai envie de jeter les penches. Bonjour ma jeune, comment vas-tu? Il n'y a pas de chantage dans la lutte. Si nous étions sur le terrain, il y en a qui seraient pris une balle dans la tête. Il n'y a pas de chantage dans la lutte. Hop, hop, hop. Il n'y a pas le chant de ma mère ici. Je vous dis ce qui est. Personne n'a le courage de vous le dire. Personne n'a le courage. Les Camerounais n'aiment pas vivre dans la vérité. C'est pour ça que notre pays est en train de couler. Il y en a qui vous font croire des choses ou vous préférez croire que c'est comme ça. C'est pas comme ça. Tout va mal au 237. Et tout.
Le pays là n'a plus que ses enfants en tant qu'individu. Les groupes sociaux là, c'est fini. Tout le monde est en mode survie. D'accord? Voilà. Et quand l'instinct de survie prend le dessus, les êtres humains ont tendance à s'entrebouffer. Donc, moi aussi, j'allume ici pour faire marcher le système le matin. Je vous regarde. J'attends que ça cuise. Parce que ça va cuire. Voilà donc des personnes qui sont en suspens, qui ont le vide sous les pieds, sur un pont de siège. À qui tu dis, les gars, le pont là va céder. Ils commencent à te taper dessus parce que tu leur as dit de faire attention, le pont va céder. Aïe, les caméras. Pour nous là. Vous m'en voulez à moi de vous dire ce que les autres ne veulent pas vous dire. Notre éducation est déplorable. La vérité vous a fait quoi? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? J'attends les topos du quad. Sauf si il y a un nerveux là que je suis, je recherche la page, lui il bloque seulement. Sauf s'il a bloqué. Où est le topo du quad? Topo du quad est où? Je vous attends. On ne bloque plus ici. Moi, on ne bloque plus. À part les marabouts. Les suppras impertinents. Les combattants là qui ont juré. Ne vous bloque pas. Ne vous bloque pas. Nous avons une guerre sur les bras. Personne. Il n'y a plus personne au cheval du nozo. Personne. Donc, nous avons utilisé le nozo. Comme ça n'a rien donné. Et demain, vous allez dire quoi? Vos enfants vont dire quoi? Que ça cause des Occidentaux. Bonjour Ivana Trump, comment vas-tu? J'attends ta copie. Tu dis que quoi? Par rapport à ce que j'ai déposé hier, tu dis quoi? Toi aussi tu es dans le déni. Moi je suis encore au Chiga, je la suis plus. Ah bon, hey Ivana Trump. Ah, moi je suis pour au Chiga donc. Bonjour, si je tombe sur un morceau encore, je regarde pas. Je ne gère pas trop la folie. À mon âge, si j'aime la paix de mon esprit, à mon âge, si. Il y a eu quoi avec Oshida, Shiga? J'en ai fini avec. Oh, j'en dis que comment on fait pour te défendre. Rumeur qui vient d'arriver là. Je te demande de changer de pensée. Parce qu'au prochain commentaire, là, tu risques d'être bloqué. Je te vois arriver. Tu t'es trompé de page. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui vend, qui expose sa marchandise ici? Je ressemble à quelqu'un qui expose sa marchandise. Je suis là chez mon employeur, bah. Je ne suis pas auto-entrepreneur. Ah, ok. Tu viens de te rattraper, c'est bien. Je suis pas auto-entrepreneur. Je travaille à pour quelqu'un. Donc, je ne suis pas ici pour vendre ma marchandise. Bien le bonjour, Suarez.
Ah, pour te défendre, il faut liker. Hey, Ivana. Ivana, tu veux qu'on te défende comment? Sérieux? Tu t'es gâté avec à peu près tout le monde. Même moi, il y en a qui me défendent plus ou pas. Il y en a qui ne me défendent pas. Ivana, tu es défendable. Hey, Ivana, tu es défendable. Tu as fait quoi au Chiga pour qu'elle tombe sur toi? Les gars, eux, ils sont au marché. Ils font leur business. Ils vivent de monétisation. Donc, Ivana, tu as fait quoi pour qu'ils te ramassent tout est direct? Ivana, tu ne partages pas ici. Ivana, tu ne partages pas, ma chère, depuis 5 ans. Tu es dans le combat depuis combien de temps? Tu ne partages pas. Et tu veux que moi, si j'arrive à te défendre, tu ne sais pas que c'est donnant-donnant. Tu ne sais pas que c'est donnant-donnant. C'est le résultat là. Lauriane, toi-même là, tu n'es pas facile. Lauriane. Tu n'es pas facile. Est-ce que ça va être la première page, la première de tes pages qui est fermée? Dis donc. Tu partages où? Je partage par la mer. Hey, est-ce que tu partages pour moi? Hey, bonjour, ma Delaïde. Ouais, pardon, ma. Je suis sur les bêtises d'Ivana Trump. Je ne sais pas ce qu'Ivana Trump raconte. Je ne suis pas administrateur ici. Tu veux que je fasse quoi sur la page en bas? Oui. Ma jolie, elle me défend. Marie la tontinade, bonjour. Revenons à nos affaires. Moi, je ne sais plus comment vous dire ça. Tu vois le cœur de qui? Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais ça va trop cuire sur nous. Oui. Parce que nous ne sommes pas prêts. Vous savez, ce qui m'agace le plus, c'est qu'il y en a qui nous ont fait perdre 5 ans. Oui. Il y en a qui n'avaient pas misé sur le soulèvement populaire. Nous nous sommes retrouvés à la tête, du moins. Nous avons dit qu'à la tête du combat, il y avait une petite personne et un parti qui n'avait pas misé sur le soulèvement populaire, contrairement à nous. Contrairement à nous. Et comme les Camerounais n'ont pas de Mimbang, beaucoup n'ont pas voulu rectifier à temps. Nous nous sommes laissés submerger par des partisans, par des adhérents d'un parti politique qui, lui, n'avait pas misé sur le soulèvement populaire. Oui, c'est devenu un devoir. Nous voici donc au carrefour de si je savais. Les autres se sont préparés. Que les Camerounais se préparent à résister, eux tous. Préparez, voire résister. Parce que quand ça va cuire, commencez à acheter des sacs de riz, allez déposer au village, à Choué-Makanda. Vous allez vous exiler dans l'autre sens. Du moins, vous allez. Oui, l'exode. Vous allez faire l'exode urbain. On dit un exode ou une exode. Bon, prenez un, vous laissez l'autre. Un exode, c'est ça. Une exode. Oh merde. Quand c'est comme ça, moi je vais chercher. Oh, Google. Google.
On joue quoi? Un ou une? Attends, tu n'as ma soeur, elle est là. Se rejeter dit Nadia, c'est tout bon pour l'université? Mais elle m'a dit qu'elle l'avait pas. Elle m'a dit qu'elle l'avait pas. Je disais donc que les Camerounais commencent à acheter des sacs de riz. Ça va, sauf que ce verre, c'est pas à terre. Sauf que les Camerounais ne veulent pas s'exprimer. Donc, il y en a qui vont passer par force. Et vous allez subir. Je redis ici, n'en déplaise à X ou à Y. Bonjour André. Notre fameux parti politique n'avait pas misé sur le soulèvement populaire. Nous les avons tellement surlivés qu'ils ont pris que ils ont inversé les choses. Ils ont cru que la diaspora était devenue le Cameroun. Bah. Pour gagner les élections, on ne compte pas sur la diaspora camerounaise. Une diaspora. On ne compte pas sur une diaspora. Une comme moi, j'ai pensé que les adhérents là allaient tenir le combat au 237. Mais qu'est-ce que les adhérents commençaient à faire? Ils étaient trop beaux. Ils étaient devenus trop célèbres. Ils se sont aussi perdus dans je recherche des postes. Mais sur le terrain, tu veux travailler pour le peuple et tu n'es pas sur le terrain. Allô, quoi? Allô, quoi? Vous allez nous déposer by force vos histoires partisanes là. Que ce soit le parti ou que ce soit le village ou que ce soit. Vous allez déposer ça by force. À Sereniki. Vous allez finir par penser au Cameroun avant tout. Pas au village, pas au parti politique. Pas à son poste au Cameroun avant. C'est la nature qui l'exige. Moi, je suis une sacrifiée. Pour que Calibri puisse rentrer au Cameroun, moi, je dois rester en exil. Et ça, vous comprenez. C'est le prix à payer. Bonjour, ma Josiane. Comment va? Pour que Calibri et d'autres puissent rentrer au Cameroun. Pour que certains continuent à aller au Cameroun là. Pour que certains continuent à aller au Cameroun, la fleur au fusil, le nez en l'air, il faut que moi je sois en exil. Parce qu'il y a un prix à payer. D'accord. Il fut un temps, ce sont les têtes qu'on coupait. Quand Ali Bongo est tombé, j'ai dit, Général Bara ne va pas rentrer au Gabon. Il y en a qui m'ont dit, ah, comment ça, il ne va pas rentrer? Elle dit que moi, il y a de fortes chances que ne rentre pas au Cameroun. Ah, ah, comment ça, nous, on va rentrer? Toi, tu ne vas pas rentrer? Elle dit, oui, c'est le prix à payer. Parce que si je rentre au Cameroun, je serai un danger, un potentiel danger. Si je rentre au Cameroun, je serai moi-même en danger. Et moi, j'ai l'instinct de survie. Avec la façon de faire des Camerounais, la façon d'être des Camerounais, je rentre au Cameroun, je serai en danger. Je serai même plus en danger que je ne serai en danger.
Parce que ce que nous faisons là, nous enlevons le macabre chez quelqu'un pour le mettre chez quelqu'un d'autre. Les pro-BIA, les pro-régime, ceux qui vont perdre leur makalapati là-bas ne seront pas contents. Ceux qui vivent de la corruption, qui adorent le Cameroun actuel, seront pas contents. Nous n'allons pas être dans leur petit papier. Donc, quand il y en a qui me manquent de respect là, je ris seulement. Bonjour, Dieu ma force. Parce qu'il y en a qui comptent sur notre bon sens à nous pour ne pas tout foutre en l'air et se dire mieux ça se gâte pour tout le monde puisque c'est gâté pour moi. Bonne journée à toi. Ce que vous faites là, c'est pour vous là-bas. Moi ici, l'État compense et je ne lutte pas pour. C'est en mangeant à la cuisine que j'ai appris que on va nous donner une prime entre 300 et 800 euros. En mangeant à la cuisine, il n'était même pas au courant. On nous a donné les 500 francs de partout là pour compenser la vie chère. Même ici, là, j'ai une grosse lettre serpentée là sur un dossier. Et les gens viennent là, les gens qui peuvent aller au Cameroun quand ils veulent. Hein? Les gens qui passent inaperçus, ils viennent te parler fort jusqu'à te faire le chantage dans ça. Pardon. Allô? C'est votre pays. Moi, j'ai le choix. Vous êtes condamné. Ce sont les chaînes mentales qui vous condamnent aux 237. Moi, je suis libre. Je suis libre. L'histoire de oh, mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Mof, ici, on incinère les bêtises. Ici, on incinère. Donc, laissez-nous ça. Quand l'enfant dit qu'il part de la maison, il part lui, sa chose de roi. Vous voulez jouer en ganga, vous faites des caprices. Avec l'avenir de votre peuple, l'avenir de vos enfants, de vos descendants. Allô quoi? Moi, j'ai la projection de ma famille. Je la visualise. Je prends les données. Oui, la projection de ma famille est fiable à 80%, sauf accident de parcours. Il y a de fortes chances que le noir ne soit plus dominant à la prochaine génération. Oui, à la maison, il y a une métisse, deux afros. Ces deux-là vont me ramener des caucasiens. Les deux-là vont me ramener des caucasiens ou des assimilés. Oui, blancs. Ils vont me ramener des caucasiens ou des personnes blanches. Donc, j'aurai des métis. Je pourrai avoir des blancs. Et je ne pourrai même plus avoir de noirs. Sauf si la métisse épouse un métis. Je vis dans la réalité. Je gère les pions que j'ai. Et quand je vois l'Afrique là, je me rends compte que il y en a qui pensent être plus africains que d'autres et qui vont combattre ma descendance. Pourtant, moi, je suis en train de payer le prix de la liberté. Je suis encore calme. Je suis encore calme. J'ai jamais vu un peuple. Je ne sais pas comment nous avons fait pour descendre aux enfers en 40 ans.
40 ans. 40 ans. Il y en a qui pensent que la vie, c'est une histoire de chantage. Les caprices sont les enfants. On n'accorde pas de caprices aux adultes. Les adultes règlent les problèmes. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on change. Ou on compense. Je répète ici, un parti politique n'a pas vocation à vous sauver de quoi que ce soit. Parce qu'il y en a qui vont sortir les rindindings là-bas. Vous allez sortir quoi, les cartes électorales? Vous allez sortir quoi? Les cartes de membres de parti. Une armée divisée. Une guerre totale dans une région. Oui, là-bas, on ne sait pas où ça va péter. L'extrême nord là-bas. Boko Haram. Et vous êtes assis là. Votre pays est en paix. Que la guerre la déborde, dis donc. Les Camerounais ont besoin de ça. Définitivement. Parce qu'il y en a qui sont seulement accrochés sur qui sera président. Le problème du Cameroun n'est pas qui sera président. Qu'est-ce que les Camerounais vont? Veulent, pardon. La question est, qu'est-ce que les Camerounais veulent? Même une personne avec toute la bonne volonté du monde peut faire quoi des Camerounais? Vous êtes là, vous passez votre temps à, oh oui, ah oui, que grand combattant, ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Certaines choses n'arrivent pas par hasard. Si je peux mettre ce que je mets dans le combat là, c'est parce que mes enfants sont adultes, ma mère, elle, son avenir derrière elle. Mes soeurs se débrouillent. Je reviens cet après-midi avec notre nouvel ami. Jean-Jacques Honoré Nsou, qui a encore frappé. C'est mon nouveau copain. Pendant que vous êtes là, à cacher, à essayer d'enterrer votre mère, il y en a qui montrent aux yeux du monde les défaillances de leur propre assemblée. Eh oui. Si les Sardinats parlent dans leur propre parti politique, parlent de leur propre parti politique vers ce même au sol, il y a des gars de l'opposition qui ont pris la place du R. Ils mettent sous le tapis. Ils mettent sous le tapis. Et ils veulent qu'on s'en sorte avec. Je répète ici, insultez-moi comme vous voulez. Bizarrement, ils sont calmes ce matin. Hein. On a dû leur confirmer les choses. Hein? Où on les a tous bloqués, je ne sais pas. Je vous redis ici que ça va très mal cuire aux gens. C'est pas mon avis. Ça va très mal cuire. Tout ce que vous avez fabriqué depuis 5 ans là, il y en a qui, pour qui ça arrive ici. Et ils ne veulent pas se noyer. Nous devons nous recentrer sur nous-mêmes. Le peuple camerounais doit se recentrer sur lui-même. Pas sur des choses partisanes. Parce que nous sommes à la recherche de nos propres intérêts. Ce que je vis là, ce que je fais vivre à ma famille, c'est le prix à payer pour la lutte. C'est le prix à payer. On se tamponne cet après-midi. Nous allons écouter notre nouvelle amie. Oui, oui, oui. Notre nouvelle meilleure amie. Jean-Jacques Honoré Nsou. Qui, lui,
Parle d'une oiseau. Oui. Un sardinat. Les choses sont en train de s'inverser. Beaucoup de personnes vont se rendre compte que tous ceux qui sont dans le R ne sont pas mauvais. Ce sont les Camerounais qui subissent. Et il y en a qui ont décidé de dénoncer. C'est aussi ça la lutte. Très souvent, ce sont ceux de l'intérieur qui mettent à mal des systèmes. Très souvent, les éléments que nous avons sont les éléments qui viennent du 237, non? Quand tu as une copie d'un document de la présidence, c'est une personne qui travaille là-bas, qui sort le papier. Donc, il y a une grosse partie de la lutte qui se fait depuis l'intérieur. Mais il y en a qui ont essayé de nous vendre. Oh, oui, l'autre est super opposant. L'autre est... Non, 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 non. Il y a des combattants de partout dans ce pays-là. Il y a des combattants de partout dans le système. Il savait aujourd'hui que nous sommes un certain nombre de faiseurs de bruit. Faiseurs de bruit. On se tamponne cet après-midi. Et la famille, j'ai des budgets à boucler. L'argent public. Il faut dépenser, sinon l'année prochaine, là, on va t'enlever 10 euros. Tu commences à te gratter. 10 euros, ça fait 10 stylos. Bien bas, je nous salue la famille. Ceux qui sont assis au premier banc, là, sont souvent remplis jusqu'ici. Ce matin-ci, ils sont en train de digérer ce que j'ai posé hier. Bonne digestion. C'est une histoire de temps. Chrono. Le R va avoir son... Le R est censé faire son... Comment ils appellent ça là? Est censé faire son... Se réorganiser. Renouveler son organisation. Notre cher parti politique aussi. J'attends, non. C'est une histoire de temps. Il y en a qui ont la montre, nous avons le temps. Le R aussi est censé avoir sa convention. Et notre parti politique aussi. C'est là où on saura. J'ai mon pop-corn. J'attends. Allez. À cet après-midi, 17h.